Let the hunt begin. Victory or death! That works. I'll show them. I'll show them all! Mind if I roll me? Surprisingly slow start. Hey, give me that! Let the pain speak to me. Job done. Find it likely that it's freezing. To my side. Good old Leah. Battle Rage. Nice. Well, the dream is that it's Snake. That would be sick. Attacking the Leokai Whirlwind. Or rather, no. Well, yes, that would be sick. I'm okay with waiting. Snake right here. That's it. But it isn't. Blood and plunder. No quarter. Bring the pain. Looks really good. I got the discount off on my combo. On the combo. Can get my double discount off. It's very exciting. I'm gonna take 6 damage. Or I can just do this and not be greedy. I'll choose not greedy. It's very unfortunate because double discounts are fun. Charge forward! Especially with this deck. Fight. I'll avoid the 6 damage to the face instead. This isn't here. Even that good when I look at it. Maybe I should have gone for discounts. No, it's pretty good. I was like, those two guys can just get unleashed killed, and that last one gets like quick shot or skill commanded or eagle horn bone. But that's fine if he wastes his resources, like if he spends his resources, not waste. Oh, here come the doggies. This result is rather poor. I'll show them. I wonder if this could have been played better. It wasn't good. Blood and plunder. That was pretty exciting. Skill command? That's gotta be skill command. Oh, good shot.
beautiful armor. Well, the good news is he's almost out of cards. He is out of cards. Oh, and I'm gonna get my armorsmith back. It's kind of nice. Maybe that's the reason he hesitated. Okay, 2. That'll cost 4. 2, 6. I wonder. Sorry. Strike. What if it sneaks? Then I feel some pain. It's only one more damage. Charge forward! Pass me that arc light spanner! Let the pain speak to me! Bring the pain! Maybe I should have done it the other way. The whirlwind seems good here. That doesn't mean this will die. We could actually not use the whirlwind. What now? Hit. Play the armorsmith first. Armor made to fit. Bring the pain. He hasn't played any skill commands yet. Wow, 7 damage to face. That's pain. I could have consumed a little longer for the armor. Oh man. I do need the whirlwind for the armor. Is that lethal? 2, 4, 5, 7, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Yeah, it's super lethal. The blade be thirsty. No problem. Well, give me a minute. Strike. I strike. Hopefully, the plus 4 is enough. Shaman. Victory or death. I'm gonna keep my Acolyte of Pain. Well, no. I need to get a weapon in case it's Mech Shaman. Might keep the Dread Corsair. I would only keep the Dread Corsair if I go second. So we're mulligan for Mech Shaman. That means you want to have Fiery Wax, Loot Order, and Unstable Ghoul, something like that. I'd be like the perfect mulligan for a Mech Shaman. For a Midrange Shaman, I don't even know. This field's good. You have the Death Bite, so better have a weapon early than have it late. Get like card draw and well, turn 2, that is pretty neat because I can get her turn 2 into him turn 3, which is pretty damn decent, especially if he goes for those Feral Spirits. If you want to beat like Feral Spirits, it's definitely helpful. Let's go for her. I mean, if I get a Taskmaster, I can bring her up to 3 and already trade into something. That's like superb. I get like 3 into 4, so that's also good. And nice, he goes for just a totem. Here for my frozing. If I can make him crackle here, it's perfectly fine, to be honest. So he goes up to 3, he crackles, but then there's nothing additionally coming else if he uses his coin. So I feel rather okay. Why did I hit the totem? Just like for your interest. In case he's actually going for... Hit. In case he goes for a... Flame Tank Totem, it's down to 1, and he could like Flame Tank Totem, Rock Rider Weapon, or something. Just like to be sure, in case he trades back, and also to get my Frozen Berserker buffed up, obviously. So we could kill his Yeti, I get a Finicky Cloakfield for him, that is just amazing. Well, he has a counterplay, that is counter amazing.
anything to say about that in the end. I gotta put those two guys down. I mean, it's too good. It's like free card draw. He can kill one of those with his cards, with his swing, and get the Emperor. But I get one card already, Battle Rage, and another one. And I can go Emperor, get that on zero cost. And so I'm like getting super value plays in the next turn, which is damn amazing, I think. Here's her Rawlings Automatic and a Tinker Town Ignition. So that goes up to 5, but it doesn't matter. To 4, because it doesn't matter. We kill it. Use our weapon if we want to. There's an Execute also. And the only question is how I want to do this now. I could play my Emperor. Also do this. Attack here. Whirlwind. Get a card. Get 3 cards. Execute his minion, go to the face. Might be a mistake there. I could have also just whirlwind it again, but I felt like you want to keep the whirlwind for the combos. If you're really good there, I get Emperor Thardan next turn, so even if he goes for Foul Elemental, we have something against it. So I go for the Emperor. Get already lower cost on the combo. I can trade here, get a card. And I can trade here. I can also Cloakfield my Emperor so he cannot kill him. That is damn amazing. So it's Cloakfield the Emperor. What you gonna do now? Getting like all the cards lower cost. I can already go for some patrons next turn if I want, but I'm waiting for Charge Girl. The patrons don't appear before Charge Girl does. I could be Lightning Storm. No Lightning Storm. But I gotta look out. I'm dropping already rather low. I'm not allowed to drop a lot lower. Then we're gonna see where we wanna go with this now. Trade one mag. That pay goal. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Play the Grim Patron. And outrage him. Everyone, get in here. Run that one in there. Get a card. I'm at 3, 6, 8. I can draw 3 cards. 1, 2, 3. That is what we wanted to see, because now I can play her. And whirlwind for free. Thardan dies, which is rather sad. But I get 2 more. And those 2 more, they can kill those guys. That's perfect. What he needs to do now is kill my girl, because if he doesn't do that, he just loses the game. Pretty easy, board is clear. I don't think he can kill me. You need like the perfect hand for that. There's one random lightning storm in. Get fucked. This is looking rather good now. Here's a crackle. Game. And he needs to trade here, as I said. But there's an emergency cooldown, okay. But the good thing is I can already make a new one. I can make a new one. Deathbite. The face. Play him. To get rid of the gnomish. And in the end, just armor up. Face. And next turn is already in. I could have played the Frozen Berserker first, but no. That's just over. Well played. Bon! Acolyte et Armor Smith déjà en place. Ouais, le Dr. Boom, c'est pour plus tard. Il y a quand même de quoi jouer. Et ça, c'est Made in Crazy. C'est comment? Made in Crazy. Made in Taiwan. Made in Taiwan. Excuse-moi. Ça rappelle des souvenirs. Ah, ça. Hommage Mecha, ça faisait longtemps. Ben, moi, on a vu pas mal. On a presque envie d'en revoir maintenant. Ben, peut-être on a vu pas mal, j'en ai vu beaucoup. Eh ben, nous, on en a vu qu'un. Non, moi, j'en ai vu pas beaucoup, mal. Beaucoup, beaucoup de. Beaucoup de mages Mecha quand même. Ça reste quand même très agressif. Et surtout, il y a eu. Magnifique. Démo Murloc. Ah. Oui, il y avait du Démo Murloc, ça c'était beau à voir. Du Démo Murloc. Ah, ouais. Tu sais que je l'aime, le Murloc. Hein. Murloc, ça fait toujours plaisir.
Ça a trop disparu de la compétition au niveau de Murloc. Ça mérite d'être à nouveau intégré. C'est probablement... Ouf, ça c'est toujours... C'est un des decks les plus explosifs. Alors, comme tu dis, c'est un peu lourd, mais... Voilà. Est-ce que tu veux claquer un spell là-dessus ou pas? Est-ce que tu fais que ça, hein? Qui avait la pièce? Qui avait la pièce avait été jouée par pour mettre l'ennui au tronc. Il n'y a plus la pièce, donc tu feras pas grand-chose d'autre si tu veux le cramer. C'est pour ça que je ne vois pas éclair de givre. Je vois plutôt poser des cartes et profiter de son méga. Oui, ça, il aurait pu quand même avec le. Et il va pinguer en plus. Ok. Donc il ne laisse rien, donc il ne pourra pas casser le boubou. Enfin, pas, en tout cas, pas avec sa créa. En moins, il a pioché deux cartes. Il donne beaucoup de cartes. Hein. Non, mais il faut qu'il fasse gaffe. Hein. Je te rappelle que son arme, il ne pourra pas l'utiliser si s'il commence à se faire geler tous les tours. Ça va commencer de problématique. Alors, du coup, il va casser le boubou. Et il va prendre des dégâts comme même au passage, mais il n'a pas le choix. Qu'il avance. Ouais, il faut que ça avance, comme tu dis. Et il n'a pas encore attiré le méca téléporteur. Mais son arme a été utilisée. Il a un board qui peut lui permettre ici, hein, clairement. Il peut faire des trades avec la rage intérieure. Hein. Il faut voir l'agression que va représenter Made in Crazy. Au prochain tour, il pourrait aussi mettre son green patron et mettre une rage intérieure dessus. C'est le tour. Oui, mais c'est le tour de l'expo mage ici. Hein. Ouais, ça va être le. Est-ce que tu vas lancer un néon. Et puis, il veut finir avant tout la fabricante d'armure. Voilà, c'est le technicien de bric-à-broc. Qui du coup, comment tu désingues tout ça? Trade, rage intérieure, et puis. Ouais, ça continue. Hein. Ouais, c'est pas pour rien. Hein. Ah, il est jaloux. Là, il faut du gros tourbillon bien violent. Le problème, c'est que le méga téléporteur, non, il est même plus si grave que ça. Il faut qu'il joue des choses, hein. Il a raison. Il doit jouer des choses, ouais, il va quand même le chercher. Oui, c'est ça, il faut. Hein. Ça lui fait quand même une créa. C'est une 3-4. Bon, on va faire manger par la 4-4 et derrière, il aura pas de moyen d'aller la chercher. Non, non, non. C'est ça qui m'embête. Jusqu'à ce que le tourbillon vienne. Tourbillon qui sera vraiment le bienvenu. Ah, ça. Et il est 14 ici, Morph. Il a bien monté. C'est ça. C'est vraiment le deck a bien filé au milieu de. Est-ce qu'il est sur les. Il n'a pas tendance à jouer sur les serveurs US? Pas la moindre idée. Je pense qu'il jouait sur les serveurs US, mais je suis pas sûr. Pas la moindre idée. Oh, c'est le jeu où il joue d'Indonésie sur le serveur US, qui joue d'Indonésie sur le serveur Europe, qui joue d'Indonésie sur le serveur Asia, qui joue d'Indonésie sur un serveur pirate. Non, ça pas. Ça n'existe pas, ça, si? Je crois pas, non. Sincèrement, je vois pas l'intérêt. Serveur pirate. Il faut y arriver aussi. Aussi. Bon, ça c'est logique. Si on l'avait dit, hein. Bon, l'entité miroir a été posée, ça c'est vraiment très problématique aussi. Il n'y a rien à faire, petit à petit. Le néotron. Je le sens de plus en plus en difficulté. Ceci dit, un bon tourbillon ici continue à faire quand même pas mal de choses intéressantes. Ouais, mais c'est aussi ce. Saucisse? Ce secret. Non, c'est aussi, pas saucisse. C'est aussi. Il dit que c'est saucisse. Ouais, bah voilà, ouais, mais il le donne. Hein. Il le donne, certes. Ouh! Ah, j'allais dire, j'ai cru pendant un instant que c'était... Et donner un Torii-san quand même... Alors oui, c'est peut-être sa seule chance, hein. Mais quand même. Donner un Torii-san... Ah. Je sais pas, parce qu'il ne va pas s'en sortir ça ici. Ça va être dur. Alors peut-être qu'il va se passer un truc de ouf, hein. Mais c'est pas compliqué, c'est le tour prochain ou c'est pas. Parce que de sa combo, il a deux cartes, mais il a rien pour aller plus loin et il fera pas 30 dégâts avec ça. Hein. Non. Il va pinguer. Non, il fait que l'ennui au tronc. Il est encore pour 6 à mettre. Il n'a pas de moyen d'aller chercher Torii-san. Hein. Plutôt faut Torii-san ici qui fait peut-être pas une énorme différence, mais. Là, je le vois pas s'en sortir. Non, moi non plus. Depuis le début, il est complètement derrière. Il est dans les cordes. Ouais. En plus, il est gelé tous les tours, donc son arme ne lui sert à rien. Bon, il va faire du patron. Il est obligé. Il va en faire 3. C'est pas mal, hein, attention. Hein. C'est sa dernière chance, hein. Soyons clairs. Hein. Et sur le héros. Ouais. Ok. Et là, l'adversaire, il faudra voir ce qu'il... C'est maintenant, c'est l'instant. Il y a quand même le Torii-san qui a quand même fonctionné 2 fois, hein, donc attention les yeux. Hein. Donc il y a quand même une carte dedans qui est réduite. Docteur Boom pour 6, il pourrait faire Boom et Arme, c'est pas mal. Hein. Le truc, les bombes pourraient attaquer. Pour faire du bleu. Bon, je pense qu'elle va pas survivre, c'est clair. L'officier de champ de guerre, hein, mais...
Il doit certainement aller chercher le. Ouais, le, il le, plier, hein. le ouais, et aller chercher la 3-3 maintenant, tu vois. Sans doute. Avec sa 5-5. Et oh, s'il peut la cramer avec un éclair de givre. Voilà, voilà, si c'est l'éclair de givre. Il serait gratuit. Un hein. Fireball. Oui, ça marche. Il est, aussi. Il est en train de se dire, est-ce que je fireballise? Voilà, ouais. Fireball réduite de 1. Ping, toujours possible. Il a tout cleané. Waouh. Ah, mais c'est logique. Rude, rude. En revanche, avec son arme, il peut aller chercher le Torii Sat. C'est ça. Et poser quand même le boom. Hein. Très mieux. Imagine, il prendrait 15 là. Il va le faire. Il va prendre 15 en 2. Non, 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 non. Qu'est-ce que je dis, il va prendre 15. Il va prendre 10. Ouh, du coup. Ah, du coup, tu clean. Il peut cleaner. Tu clean à coup de gros moche. C'est pas mal, ça. Faut juste espérer qu'il n'y ait pas une deuxième fireball trop rapide. Et toujours dans la place, là. S'il n'y a pas une deuxième fireball trop rapide, éclair de gif aussi, boulot. Hein. Éclair de gif, ping, une fireball en plus. Mais c'est pas la combo qui fait le boulot, là. Hein. Non, bah, si. Enfin, si, parce que quand même... Défensivement, mais... Oui, oui, mais ça a quand même été violent défensivement. Hein. Ça, en revanche, c'est faiblard à ce moment-ci de la partie. Oui, parce que ça se fait manger par l'arme. Arme plus. Ok. Hop. Arme. On clean. On subit un peu, oh, mais on avance. Et là... Oh, et là, c'est gagné, quoi. Waouh, j'aurais vraiment pas qu'il s'en remettrait. Mais là, soyons clairs. Hein. C'est vrai, mais ils lui ont pourri sa main depuis le début de partie, tu vois ce que je veux dire. Il les a eu très très tôt, donc à côté de ça, il a quand même accepté de donner un Torii Sat à un moment pour pouvoir les utiliser. Je ne l'eusse pas cru.